Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de survie du week-end. On va devoir peut-être faire de l'eau, je suis en train de me poser la question. On est de retour, on est le matin. Ça va. Donc la dernière fois, on avait encore une fois fouillé les mines. On a fait quoi, 2 épisodes d'affilée, je crois, dans les mines. Je crois bien. Donc on a trouvé pas mal de choses, on a trouvé des clés. Donc on avait trouvé la clé du bureau de la mine. Et nous avons trouvé aussi plusieurs portes. Donc on a une porte où il faut la clé du contremaître. On a aussi la mine qui est la porte de la mine en fait qui est en hauteur. Vous savez, genre quand on va tout en haut du bâtiment et on va sur la gauche là quand on sort. Attendez, est-ce qu'on veut prendre des trucs et c'était la porte de la mine, c'est pas la porte du bureau. Donc il y a ça. Aussi, la dernière fois j'avais parlé de la mine qui est là. Mais ça, je suis allé regarder. La mine, en fait, il y avait une sorte de... ça descendait, en gros. Et on avait une corde, et on pouvait prendre la corde pour descendre. Donc on a ça. Donc ça aussi, il faudrait aller visiter un jour. Peut-être y retourner à un moment. Peut-être le prochain épisode, genre, comme ça, on fait un peu des choses différemment. Enfin, on fait des choses différentes, pardon. Donc j'ai pensé à ça. On va manger ça. Très bien. Ça résonne ici, c'est marrant. Très bien. Normalement, on a encore un peu de l'eau. Ouais, on va devoir faire de l'eau. J'en ferai un moment. Je voudrais un peu baisser mon poids, mais honnêtement, si jamais on reste vraiment tout le temps à l'intérieur, franchement, on devrait virer ça. On devrait virer ça, mais j'avoue que si après on se retrouve à l'extérieur et qu'on l'a pas, ben on va rester un peu con. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir des problèmes, hein. On va avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que je sais pas trop en fait quoi faire. Je suis bien d'avis de tenter en fait de pas prendre ça. Ça nous ferait 10 kilos en moins, c'est énorme. Enfin, un peu moins exactement, parce que les trucs pèsent pas 5 et que quand on les transporte. Qu'est-ce que j'ai à jeter? Parce que ça, il faut le garder. Genre la nourriture, tout ça, l'eau, il faut le garder. Si jamais on a des problèmes, il faut garder les cafés. Si jamais on doit prendre des cordes pour se remettre, vous savez, pour se remettre à fond. Je dirais, honnêtement, je dirais non à virer les cartouches aussi. Parce que, on ne sait jamais quel type de gaz on va trouver. Est-ce que ça va durer longtemps et tout ça. Le sac de couchage, bien sûr, on ne va pas s'en séparer parce que non. Non, non, non. La torche, à la limite, on peut la virer. C'est une torche qu'on avait trouvée. C'est la torche à 100%. Ah bah tiens, le travois, à la limite, on peut le virer aussi. Parce que le... Attendez, on voit pas grand-chose. What? Je peux pas le jeter? Non, t'es sérieux? Mais les débiles, il n'y a pas de touche pour le jeter. What? Je peux le déployer à l'extérieur à la limite, mais il va pas s'abîmer avec le temps. Dans un sens, ça ferait un bon test. Ouais, ça fera un bon test. Attendez, on va le mettre genre là, comme ça. J'avais pas vu qu'il y avait pas de bouton pour... Il y a pas de touche pour le jeter par terre. Aïe. Bon, on fait ça. Très bien. Pour le casque, parce que j'ai pensé à prendre le casque aussi. Genre on s'équipe. On s'équipe pour les mines. Là on gagnerait 1 kg.
Non, lui, il est plus là. C'est un peu débile ce que je suis en train de faire. Ouais, non, c'est un peu débile ce que je suis en train de faire. Vas-y, viens-moi ça. Bon, par contre, les vêtements, ça, c'est une bonne chose, là. Voilà, maintenant, on est à 35 sur 45. Donc, on peut porter pas mal de choses. On peut porter pas mal de choses. Ok, ça me semble potable, là. Je vais être franc, je dirais pas non pour balancer quelques filtres, mais pas exagérer. Après, ce que je vais faire... On va virer quelques flèches aussi, on va en virer 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5 en tout. On vire les trucs parce qu'on en a pas besoin non plus. Ça, toi t'es plein, non t'es pas plein. Ça a combien ça? 2,96, 3,40 et après il y en a encore un derrière. Est-ce qu'on a des petites réserves de fuel? Non. Ravitailler. Ok, très bien. Oh, on est déjà fatigué, c'est fou ça. On n'a rien fait. Alors, je me suis pas réveillé à fond, peut-être. J'ai peut-être pas vu. Ok. Alors, on va aller dans l'autre bâtiment. Alors pas celui-là, pas celui-là d'après, celui-là encore après. Et on va prendre la cage d'escalier et on va descendre au niveau moins 1. Au four 1. L'étage 1. Ouais. 3 litres, ça suffit. On va peut-être prendre... un steak en plus. Non, c'est bon. Ouais. Si, un steak en plus. Bon, par contre, il fait froid. Donc, c'est ce bâtiment là-bas. Ah, parce que là, on est que en intérieur, donc... Et si jamais on doit faire de l'extérieur, et bah c'est pas grave, hein. De toute façon, les mines, elles vont pas nous envoyer genre à Tombouctou, hein. On va ressortir sûrement par là ou par là-bas, donc ça va, on peut se débrouiller et rentrer à la maison, quoi, y a pas de problème. Mais bon, faut quand même faire quelque chose pour le poids, quoi. Si on peut pas se balader comme ça. Alors, cette porte, c'était quoi? Donc ça, c'est le contremaître ici. Ouais, on a le contremaître, on a porte de la mine. Et après, nous, on a que la clé du bureau de la mine. Donc le bureau, il doit être en dessous, du coup. Et ça, je me rappelle plus si on l'avait vu, le bureau de la mine. Parce qu'au-dessus, il n'y avait pas de bureau, on est d'accord. Non, le bureau de la mine, ça doit être dans un endroit qui est dans les mines. Genre la zone où il y a du... Où il y a pas mal de... On est bon? Ouais. Non, attendez. Pardon. La zone où il y a pas mal de sortes d'habitations, en fait. Ok, nickel. Pas mal. Ok, on a chaud, très bien. Ok, on est reparti. De retour dans les mines.
De retour dans les mines. Là, je pense que c'est un très très bon move de faire ça. De pas avoir de vêtements, de gros vêtements, là. C'est très intelligent de ma part. Je suis très très intelligent. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah, mais oui, mais c'est trop ça qu'il faut faire. Ah, du tissu encore. Oh yes. Je peux bien prendre le tissu. Ok. Comme d'hab, on va pas... On va pas boire. Enfin, pas complètement, parce que sinon, nous, on pourra plus prendre du café ou des trucs comme ça. Donc, nous, on veut garder de la place pour le café, en fait. Clé de coffret de la mine. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, je vais le noter. Alors, coffret de la mine fermé, floor 1. Parce que j'ai pas envie de me spoiler et tout ça, donc je préfère le faire genre comme ça, là, genre à écrire et tout ça. Et même si on tourne un peu en rond. Honnêtement, cette zone, j'adore la zone, donc j'ai pas envie de me spoiler et d'aller voir en fait. Donc on le fait lentement, peu importe, on prendra notre temps. Ah, on aurait pu prendre un... Mince. Une bombe. Une... Ah, mince. Putain, c'est ça qu'il me fallait. Ah, une bombe de peinture. Ouais, une bombe de peinture. Ah. J'y ai pas pensé. Ça me dit quelque chose. Elle est... Ouais, attends. Gaz. Va super vite. Oh là, c'est grand là par contre. J'ai eu une clé, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. On va arriver à la fin de notre filtre. Normalement, il y a une petite animation où elle change le filtre, mais je crois qu'elle le fait dans le noir. Automatiquement. Ok, go, go, go. Y'a rien du tout. Ok. Allez, faut sortir. J'enlèverai bien le masque, hein, pour économiser, mais... On va mourir. On est genre à 5 secondes. Eh ben... Ça nous a coûté 2 filtres.
Quasiment, lui il doit être. Par contre, ça serait bien qu'ils indiquent combien il reste en fait. Combien il reste. Alors, j'ai pas vu ce que c'était la clé. Je suspecte que c'est la clé du coffre. C'est une petite clé. Oui, c'est ça. T'es sérieux là? C'est une blague? C'est une blague là? Une pépite d'or? Faut le garder en souvenir, c'est ça? Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ton or? Qu'est-ce que j'en fais de ton or? Pépite d'or de taille moyenne. Par les temps qui courent, elle ne sert plus à grand-chose. Ouais, non, j'avoue. Bon, ça, c'est bien, par contre. Oh putain, mais j'en ai une de bombe de peinture. J'en ai une. Bah oui, on en a trouvé une. Je suis un peu, tout petit peu frustré en fait d'avoir quand même dépensé, encore heureux qu'on était léger, hein, qu'on a pu sprinter et tout ça. Hein. Parce que... Du coup là il n'y a plus rien. Hein. On a tout pris, hein. Il n'y a que du charbon, quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Où est-ce que je peux le mettre? Non, mais là, c'est bien, là. Je peux pas mettre sur la porte, de toute façon. Non, non, mais c'est bien, là. Ok. On va aux deux. On va peut-être baisser un peu notre poids. Hop. Charbon. On va en garder un seul. Okay. Elle est grosse. Voilà, laissez-la la pépite, ça ne sert à rien. Le livre, on va peut-être le prendre avec nous, au cas où si on peut lire en fait. On a un nouveau casque. On va le mettre là aussi. Ok. C'était intéressant. C'est très intéressant là de voir ça, là de trouver une pépite d'or. Je sais pas ce que je vais en faire. Par contre, je suis un peu déçu d'avoir utilisé deux. Et comme je disais, ouais, encore heureux qu'on avait fait, on était léger, qu'on a pu sprinter. Et parce que là, il y avait au moins facilement, je dirais 4. Genre si on avait eu nos gros vêtements, il y a 4 filtres qui passaient, facile. Je pourrais être franc. Ok, donc là il y a pas mal d'endroits. Bah attendez, du coup, j'ai pas besoin. Donc ça, fouiller. On a fouillé la petite boîte, c'est bon, je l'ai noté, c'est bon, nickel. On avance. Donc là on est à la gauche. On va continuer d'aller à gauche. Oh putain, t'es sérieux? Ça tue.
Ils ont été sympas, il y a quand même beaucoup de jerrycans, hein, même en... Même en intrus, hein. Ils ont été très sympas. Genre ils doivent mettre des zones avec 100% de jerrycans en fait. Bien, donc maintenant c'est quand on va tout à gauche, faut juste prendre l'avant-dernier, c'est on va à droite, donc c'est celui-là. Cadavre. Ah, très bien. Très très bien. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il paraît que les cadavres, je suis pas fou, hein. Il y a des cadavres qui apparaissent et qui disparaissent. Alors, je sais pas exactement à quel moment ça se passe. Je dirais que ce serait quand on charge la zone, donc quand on rentre dans le bâtiment. Et honnêtement, j'espère vraiment que... les cadavres, genre, qui ont des clés ou des trucs comme ça, ils sont toujours là et qu'ils ont pas de problème. Parce que sinon, ça va être un peu con, hein. Je comprends maintenant pourquoi on trouve plein de bonbonnes aussi. Très bien. J'aurais dû en prendre plus de bonbonnes. Tant, on en a plein, quoi. Elle est à combien, la bonbonne? C'est quoi, c'est 10% à chaque fois? C'est 10%. Ok, on a 6. Non, je vais pas les mettre ça. On a 6. Je vais y arriver. 6 hein. Symboles encore à dessiner. Oh, ça c'est des habitations, ça. Toujours pas de 1. Vous savez très bien hein, quoi je cherche. Bon, bah on est bon. Voilà, on a tout fouillé. De ce côté-là. Par contre, on va faire ça. Ah, quoique, on peut le garder sur nous. 44 kilos. Ouais, c'est un peu chaud. Hein. Ouais, on va le mettre là. Ça commence à être un tout petit peu lourd. On va peut-être devoir se reposer. S'il y a du gaz et qu'on doit sprinter, on va peut-être se reposer avant. Ah, c'est quoi ça? Let's go! This stuff will come in handy. Let's go! Yes! On en a un! Ah, je suis content! Je suis content! Ça y est! Ah là là! Ah, comment je suis content! Oh!
Ah, ça tue. Ah, ça tue. Ah là là. Ah, ça tue. J'adore. Honnêtement, cette zone, elle est super bien faite. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Honnêtement, pour un niveau comme ça, en fait, qui est vraiment aussi bien fait, je pense que c'est volontaire. Enfin, faut pas être. Je serais. C'est de la pierre, en fait, ça. Ah, c'est chelou. Je serais super étonné en fait que ça soit fait par hasard. Mais pour avoir un tel gameplay entre l'extérieur, l'intérieur et tout ça, et que genre on soit même pas bloqué à avoir les meilleurs vêtements et tout. Alors si on est bien équipé, c'est encore mieux. Mais là, genre par exemple, on a un système où on enlève nos gros vêtements, on va dans la mine et tout pour être plus léger, on essaye de courir à travers le gaz et tout, puis pour économiser les filtres et tout. Genre tout ça se goupille tellement bien, je pense que là ils ont vraiment dû très très bien faire cette zone. Très bien réfléchir en fait. Non, parce qu'en tout cas, moi je suis en plein kiff, moi j'adore le déroulement en fait de la zone. J'adore le déroulement de la zone. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a eu. Alors, on va boire un tout petit peu. Très bien. Alors. Alors, 3, 5, 6. Donc, on a 6 pleins et un qui est quasiment fini. Donc, on n'en a que 6. On a encore 5 trucs. On a ça. Ça, c'est bien d'avoir une couture facile parce que la couture, c'est tellement long à augmenter. Alors, il est où le machin là? Là. Bon, elle est super moche. Elle est méga moche. Un récipient portable qui permet de garder boisson au chaud. Elle est méga méga moche. Je crois qu'on a celle de base. Non, je crois pas que c'est celle de base. Mais elle est méga moche. Genre les trucs carrés, rayés comme ça, j'aime pas du tout. Mais on l'a, on l'a, on l'a. Donc très bien. On pourrait même l'utiliser. Bah non, ça sert à rien de l'utiliser. Maintenant, on est toujours en intérieur. On va remplir le... Oh putain, c'est un 338. Oh la vache. Oh putain, il est vraiment plein en plus. Même ça aussi, c'est vachement bien. Je suis sûr qu'il y a des endroits en fait à 100% exprès. Donc ça, c'est une bonne chose. On prend le tissu. On va devoir dormir. Hein. On est à 44, ça va. Est-ce qu'on a du bois? Si jamais on doit faire un feu. Oui, j'ai tout pris là. Okay. Alors, fais voir ça un peu. C'est pas de gaz, rien. Hein. Ouais, ça va. Ah, faut qu'on change ça parce que ça me donnera plus d'endurance. Vous voyez des choses en bas ou pas? J'ai l'impression qu'on peut passer en dessous en fait. Là, on a notre premier terme. Oh là là! Qu'est-ce que c'est bien ce jeu? Vous voyez, je peux bien aussi enfin, l'expliquer pourquoi j'aime bien la zone et tout ça. Je sais qu'il y en a qui ont aimé la zone de l'aéroport, mais genre, comparer cette zone-là à l'aéroport, c'est le jour et nuit en fait. On peut descendre par là, je crois. Ça, c'est pour faire tomber les gravats et tout, pour faire. Pour aller à l'étage en dessous, peut-être. Parce que des machineries. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les machineries, elles sont jaunes. Comme ça. Tout est jaune. Et on a vu des. Comment expliquer? Des sortes de toboggans, voilà. Des sortes de toboggans, en fait, jaunes. Quand on était au niveau floor 3, là. Le 3. Donc, je me demande si c'est pas ça.
Par contre, on peut descendre par là, honnêtement. Et on va sûrement retrouver un moyen pour sortir. Par contre, je vais... Ça, c'est fait, ça, c'est fait. On va faire ça. Du coup, ça, c'est ligne droite ou il y a encore des bifurcations à droite à gauche ou pas? Ou là, c'est la dernière? Ok, c'est la dernière. Ok, donc ça va. Donc, théoriquement, on a tout fouillé. Alors, ce qu'on va faire... Alors... Je voudrais bien le mettre là, en fait. Très bien. Ça a pas dessiné par-dessus, hein. Oui, non, c'est juste que... Ça marche. Vous me rappellerez, la pépite... la pépite est au floor 2. Je voudrais pas la perdre. Attendez, je vais le noter. Alors, matériel devant la mine... la porte de mine floor 2. Voilà. Je note ça sur mon téléphone pendant que je marche automatiquement. Et là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va descendre. Je suis quasiment sûr qu'on peut pas être bloqué, ça m'étonnerait quand même, ça serait un peu débile. Ça existe pas, les endroits comme ça où on peut être bloqué. Enfin, je pense. Enfin, genre fait exprès, ça serait une première. Mais je suis prêt à tester. Par contre, je veux pas aller là. Je veux pas aller par là, moi. Mais je veux tester. Par contre, on va devoir dormir à un moment. Hein. On va devoir dormir parce que là, on commence à être fatigué. Si jamais on veut reprendre la corde... Donc, fais voir. C'est haut ou pas? Alors, il y a peut-être pas de passage, en fait. Parce que moi, j'imagine un passage, mais en fait, il y en a peut-être pas. Ah, attends. C'est quoi, ça? Ah, si, il y a un passage. Bah, je crois que j'ai bon, hein. Là. Oh putain, si jamais on peut... Je peux pas remonter si je descends. Vas-y, fais voir. Il y a du charbon et tout. Non, non, mais il y a un passage. Oui, 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 il y a un passage. Ok, il y a un passage. Ça serait un peu con quand même de trouver un thermos et après de rester coincé et mourir. Voilà. Je crois qu'on l'avait vu, ça. Ou alors, enfin, il y en a plein partout, donc bon, à la limite, si on l'a pas vu... Oh putain, doucement, j'y suis allé comme un bourrin. On est allé là? Non, on n'est pas allé... C'est tout nouveau encore. Mais c'est pas ça... Mais on doit pas être au floor 3. Si? Est-ce qu'il y a écrit quelque part floor 3? This way out, ok. Hmm. Parce que ça me paraît pas très profond en fait, la descente. Donc je suis en train de me demander est-ce que... Est-ce que c'est vraiment le floor 3, vous voyez ce que je veux dire? Alors... Un bat de porte... Oh! On a trouvé la clé de la mine. La porte de la mine, par contre. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Enfin, ça, je m'en... Honnêtement, le pistolet de détresse, je m'en fous. Ça, par contre, le café... Ah, putain, en mauvais état. Pourquoi c'est en mauvais état, comme ça? Oh! Ah, merde, 0%. Bon, c'est pas comme si on en avait besoin, maintenant, hein, parce que vu qu'il y a les nouveautés, hein, mais... Avec les nouveaux oiseaux, là, mais bon. Bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Donc on a trouvé la porte.
Je sais que pour certains, c'est vachement bien. Oh, attendez. Je sais que pour certains, vous trouvez ça vachement bien, le pistolet fusée de détresse, mais j'aime pas du tout. Pour moi, je le trouve inutile, comparé à l'arc. Je vois pas pourquoi, en fait, je l'utilise. Oui, à la limite, on m'a dit que oui, ça pouvait tuer un ours et tout ça d'une cartouche. À la limite, on pourrait chasser à ça, mais franchement, je trouve que c'est trop dangereux. Enfin, faudrait que je teste un jour. Alors, on va pas le charger. Commence à être fatigué. Alors, ils avaient dit this way out, hein. Genre à droite, hein, c'est ça? Dans cette direction. Je veux voir où ça nous sort. Est-ce que ça nous sort vers l'ascenseur ou ça nous sort vers l'extérieur de la mine qui est dehors? Par contre, si c'est l'extérieur de la mine dehors, là par contre, on va moins rire. On va moins rire. Après, on a les bottes et le respirateur, donc c'est pas grave. Mais ça va être long. Ah putain, il y a du gaz. Non. Non. Il y a du gaz, mais ça... Ah, il commence là, ok, d'accord. Il commence là-bas, en fait. Elevator, ok, cool. Je veux vérifier si c'est l'elevator, genre si c'est de l'ascenseur qu'on connaît, si c'est la cage qu'on connaît. Si c'est pas ça, ça doit être un autre endroit. Donc je veux vérifier si c'est ça. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y avait une lampe derrière nous et elle n'était pas allumée, donc on n'a pas dû passer par là. Donc c'est pour ça que je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment le même endroit. Je crois que oui, c'est le même endroit. Ouais, c'est le même endroit. Ok. Ah oui, nous on vient de là. Je crois que là-bas, ça serait la sortie de la mine en elle-même. Alors est-ce qu'on avait des bâtiments fermés ici ou pas? Ouais, il y a tout le bordel ici, ok. Ah, ça. Clé du contre-maître. Merde, pardon. Il y aurait deux portes du contre-maître à ouvrir. Il y en a une là. Et je crois une dans le bâtiment. J'ai pas fouillé ça, t'es sérieux? Là, il y a un lit. On peut dormir ici si on veut. Je fais un tour au cas où, juste au cas où. On dirait des filtres, ces trucs, c'est chiant. Donc on peut repartir. Alors, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On dort ici. Et après, on rentre. On peut réparer là ou c'est considéré noir? Oh! Intéressant.
Ça veut dire qu'on peut lire aussi. Intéressant. On va... Ça, c'est de la lampe qu'on a allumée. On va déposer ça, 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 ça. Ok. En train de me demander en fait, est-ce que on reste là encore? Est-ce qu'on fouille au maximum et on récupère genre tout le matériel et on le met là? Ou alors on monte et on repart? Je pense qu'on peut rester là, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, la mine est intéressante. Elle est considérée comme si c'était de l'extérieur du coup. Donc ça expliquerait pourquoi on n'a pas le mal de l'enfermement. Ça serait complètement logique en fait. De voir que je vu qu'on peut lire et tout, donc ça serait complètement logique. Intéressant, très intéressant. Après, je pense qu'ils ont fait ça exprès. Je dirais qu'ils ont fait ça exprès. Pour pas avoir trop de problèmes. Parce que imaginez que vous avez le mal de l'enfermement ici, ça devrait être ultra chiant, ça devient ultra chiant pour explorer la mine. Et c'est là qu'on le déclenche. Non, on l'a toujours pas. Ouais, non, les lampes, elles restent allumées. Non, non, il n'y a pas le mal de l'enfermement. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, c'est vraiment sympa, ça. Ça, c'est vraiment très, très sympa. L'eau... L'eau, ça va. Ça descend, mais ça va. Après, on a encore plein de trucs à manger. Hein. C'est pas comme si on avait des problèmes. Donc, si jamais vous avez des problèmes du mal de l'enfermement sur les immeubles qui sont en haut, je conseille... Ça sert à rien ici, on est d'accord. Je conseille du coup d'aller dans les mines et dormir dans les mines. Bouteille d'eau, nickel. 100%. Oh la vache. Si vous êtes sensible aux lumières qui clignotent, faites attention. Parce que là, on est full aurore, donc aurore boréale, donc ça va être que ça tout le long. Alors, je vais voir un peu. On va virer la bonbonne qui est abîmée. On est à 42 kilos. Je vais ravitailler ma lampe quand même. Je voulais pas toucher le 330, mais... On va les ravitailler et je vais poser ça. Parce que ça pèse quand même une plombe, hein, le truc. Ça veut rien dire, ça pèse une plombe. Ça aussi c'est lourd, cette merde. Ensuite, 0,50 le livre, ben putain. Ah oui, ça, c'est méga lourd. On avance. Ah, j'ai pas ma lampe torche, je l'ai déposée. J'ai pas ma lampe torche. Ça, c'est bête, ça.
Donc là, il nous reste que le chemin de... du gaz. Si je dis pas de bêtises. Que le chemin du gaz. Non, nous, c'est là d'où on vient, là. C'était un cul-de-sac, du coup, ou pas? Putain, je me rappelle plus. Oh! On a la veste, veste de, mineur, une veste durable et très étanche. Elle offre une chaleur moyenne, ce qui la rend utilisable aussi bien sous terre qu'à la surface, à superposer avec d'autres vêtements selon la situation. Étanchéité 50%. Elle a une bonne protection. Pourquoi ça descend? Ah, c'est parce que ça, ça prend pas le... Genre ça, ça compte plus si je mets la veste de minier. De mineur, pardon. Ah, c'est très chelou. Bref. C'est parti. On va devoir courir. Je suis en train de changer de filtre. On n'a rien trouvé sur le cadavre. Intéressant. Strictement rien trouvé sur le cadavre. Je crois qu'il y a encore des trucs à fouiller. Alors là, du coup, ça mène où exactement? Nous, on serait pas... La dernière fois où on était au floor 3, là. Donc ici, on n'est pas allé dans le gaz. Ou alors on a tourné... Bah non, non. Si on avait été dans le gaz, on serait... On aurait vu en fait tous les objets qu'on a laissés. Je suis un peu confus en fait là. Ça doit être fouillé. Ouais. Faut vraiment qu'on dessine, mais je sais pas où dessiner en fait. Je sais pas quoi dessiner. Genre si ça c'est un cul-de-sac, si ça c'est pas un cul-de-sac. Je sais pas, genre si c'est fouillé.
j'avoue que je sais pas. Ok, donc ça c'est la sortie. Ça c'est la sortie de la mine. Donc bah, nous on est passé par où du coup? Tu vas me dire qu'on est... On n'a pas vu qu'il y avait tout un endroit à fouiller? Il y a un autre passage qu'on a dû prendre. Un truc qui serait dangereux, ce serait que le gaz bouge dans les mines. Mais encore heureux qu'il le fait pas. Après, ça serait trop dangereux et puis ça serait pas... Ça serait compliqué. Parce qu'imaginez que vous dormez genre ici, alors qu'il n'y a pas de gaz. Et puis d'un coup, vous vous réveillez, il y a du gaz. Quoi. Là, vous êtes mort. Quoi. Donc ça serait un peu fou. Donc ça, c'est la sortie de la mine. Ok. Comment on dessine au sol que ça c'est une sortie derrière moi? Ouais, nous on est à la gauche du coup. Nous on est allé là. Faut qu'on fouille encore un peu plus là le gaz. Parce que je sais qu'il y a des trucs. Donc comment je dessine? Attends. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a pas putain, il y a pas genre un symbole qui veut dire sortie. Direction à éviter. Ça m'intéresse pas. Il faudrait faire... Parce que moi, je voudrais faire une croix et peut-être une flèche pour montrer que... Non, on peut faire ça, direction à éviter. Ouais, mais ça veut dire que ça serait le danger. Bah oui, c'est la sortie, quoi. La sortie, elle est un peu dangereuse, quoi. J'en sais rien. Je sais pas. Pour moi, je voulais dire que, genre, ça sert à rien d'aller dans cette direction, mais qu'il y a la sortie de la mine dans cette direction. Vous voyez? Donc, bon, c'est un peu ça que je voulais faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on avait de ce côté, nous? J'avoue que ça serait bien d'avoir la lampe, là. Ah, je crois qu'on était allé à droite, on n'était pas allé à gauche. Alors fais voir un peu. On avait fait toujours droite, ça je m'en rappelle. Non, j'ai rien dit, ça je m'en rappelle. Danger, collapse, ok. Et ça c'est le chemin qu'on a pris pour partir. Et du coup, ça fait un cercle. Mais oui, parce que du coup, ça fait un cercle sur les différents bâtiments. Enfin, quand je dis bâtiments, c'est les bungalows. Et c'est là qu'on avait trouvé notre clé aussi. Alors, vous rappelez qu'à un moment, il y avait deux passages. Il y avait le passage à droite, dans... c'était tout petit. C'est là où on a trouvé notre première clé. Et après, il y avait un passage sur la gauche. Qu'on n'a pas pris parce qu'il y avait du gaz. Donc on va aller voir ça.
Après, là, je sais pas si on est allé à droite ou à gauche, par contre. Ah, je crois que c'est ça. Non, ça, c'est nouveau aussi. Oh là là. Ok, donc ça c'est nouveau ça. Ah mais attendez, je sais pas combien de temps ça prend de... Je sais pas combien de temps ça prend, moi, de faire le pchit, là. Imaginez que ça accélère le temps et que qu'on meurt. Non, non, mais je le fais pas, en fait. Non, mais laisse tomber. Je pensais marquer, en fait, mais... Non, 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 non. Ah, ça serait vraiment con de mourir pour ça, hein. Non, ça, je fais pas trop confiance au jeu, par contre. C'est pas un truc que je testerais. Par contre, je veux juste vérifier si on a vraiment tout pris. Ouais, ça a l'air d'être nickel. Ok. Let's go tout droit. Ok, on est sorti du gaz. Ok. Danger of collapse. Là, il me faut une hache, du coup, pour pouvoir passer là. Ouh, ça devient intéressant, là. Le fait de pas avoir le casque sur la tête, c'est grave ou pas? Où est-ce que ça va, là? Là, ça me fout un peu les boules, par contre. Où est-ce qu'on est? Ok, parfait. Oula! Oh, si jamais au fond... Il va falloir qu'on arrête notre épisode aussi, ça va faire une heure. Ouh, il y a de l'eau par terre. Merde. Ah, mais c'est étanche, de toute façon, nos bottes. On s'en fout. Si jamais il y a une corde... Ça veut dire qu'on est sur le gauche de la région, sur la gauche de la région. Intéressant. Il va falloir qu'on rentre à un moment ou à un autre. Heureux qu'on a un nouveau jerrycan. Bon, après, on a des torches. Non, on n'a pas de torches. On a une fusée éclairante et tout ça. Mon dieu, où est-ce qu'on va?
Fire steel, let's go, ça c'est bon ça. Je prends le bois maintenant parce que là on va quand même très très loin. Donc si jamais on veut faire du feu, on peut... Où est-ce que je vais? Je suis sûr que ça va être sur le côté gauche de la mine. On parie? Parce que là on va dans une plutôt une grotte là, c'est plus du tout une mine, c'est une grotte. J'espère que je loupe rien parce que... Ah! Oula! Oula! Ok. Bon, bah vous savez quoi? C'est le moment cliffhanger. C'est le moment cliffhanger. Alors, on va faire... le livre, je l'ai pas sur moi. Ça va être le moment cliffhanger où on va s'arrêter ici. On va dormir. 43, 45. Ouais, je suis un peu lourd. Soupe de tomate, on les garde. Ça, on les garde. Ça, on les garde. Des chips. Très bien. Ok. Eh ben, on se voit la prochaine fois. Et on continuera notre petite aventure. On va passer le pont la prochaine fois. On va voir si je peux vraiment. Parce que de vue, je pense qu'on peut. Mais je suis pas complètement certain. On va ravitailler ça. Et ben, on a bien avancé. Là, on a trouvé plein de trucs. Et on a commencé un peu à marquer, en fait, les endroits qui sont bons et tout ça. Alors là, je sais pas où ça mène. Mais honnêtement, je sais pas si je peux montrer la carte. Non, c'est pas ça, c'est là. Je pense que ça va aller là, personnellement. Je le vois un peu venir comme ça. Donc on verra. On va pas dormir très longtemps. 5 heures, ça me paraît bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ah, ça tue cet endroit, ça tue. Ciao, ciao!